Ce sont les positions dans les escaliers avec pour l'instant Fabien Canal qui est là donc Bruno Michou. Ça bouge. Ouais, ça va alors. On peut bouger. Là, j'ai quoi? J'ai un peu trop devant. Dans l'autre, non? Quel est votre objectif? Au moins le podium, là? Me faire plaisir. Si c'est un top 10, ce sera très bien. Tant que je suis à fond et que tout se passe bien, c'est le principal. Le plaisir. Juste ça. Ah non, je touche plus là. Moi qui perds, mais. Ça va aller. De toute façon, là, je peux plus rouler. Donc, je peux plus rouler. Là. J'ai pas d'entraîneur. Le championnat va l'entendre remonter pour la SPTT de Dijon, deuxième position. Et Lucas Meunier, donc le défi en vélo, et bien on retrouve évidemment tous les leaders pratiquement avec les garçons qu'on trouve parmi les tout meilleurs à l'heure actuelle du circuit. Lucas Meunier, vainqueur avec Stéban, les juniors en deuxième année, garçon qui avait établi troisième des championnats de France sur la piste en scratch en 2016, quatrième également des championnats de France de
Merci de vous avoir remporté. Trois points pour vous savoir. En plus de Pérola, c'est également un rappel. Elle était champion de France cette année, Camille, du scratch sur la piste. Donc, c'est la piste et du 6 en France pour Lucas Meunier, pour la formation des bienvenus vainqueurs récemment du 6 en France. Avec Stéphane, que l'on tourne commandement avec Valentin Romain, donc garçon qui avait été champion de Bourgogne chez les Cavis, mais sur le circuit de Mâcon en bord de Saône. 11e des championnats de France également de Calais. Et on rappelle que cette année, il a remporté notamment le 6 en France de Toulouse, le Château et le 6 en France. Allez, d'ailleurs.
Triple vainqueur ici à Dijon, l'ovation pour monsieur Clément Venturini. Mon cher Clément, remis de cette shoot exceptionnelle, quatrième passe, faites gaffe parce que c'était vraiment le gratin qui était là du côté de Pontchâteau. C'est comme ça. On rappelle évidemment Clément, quelques ennuis de santé, hein, ça va mieux parce que je sais que ça n'a pas été facile ce début de saison. Hein. L'entraînement n'était pas à 100%, il fallait récupérer. Comment va le niveau physique, Clément Venturini? C'est réglé maintenant. Après, les soucis font partie d'une carrière, malheureusement. Si ça roulerait toujours sur des roulettes, ça serait un peu trop facile. Donc, le championnat d'Europe a fait du bien et j'espère que j'attaque une nouvelle période. Belle saison sur la route avec évidemment Victor sur les routes du Tour de Biche. Belle saison d'ensemble sur la route et maintenant on peut penser que les objectifs, il y aura les championnats de France, il y a un Coupe de France certes, ça sera Bagnoles de l'Orne, ça sera nommé, vous connaissez bien. La Narvini, vous connaissez bien également pour ce titre parce que champion du monde, champion de France et voilà ce maillot, vous êtes passé tout près, on pense forcément. Oui, deux fois deuxième ces deux dernières années, donc oui, j'aimerais rajouter de la couleur à mon maillot. Après, il n'y a pas que ça, il y a des Coupes du Monde, il y a des courses en Belgique. Non, le programme est bien chargé et j'espère que la saison va bien se dérouler. Clément Venturini, mesdames et messieurs, champion du monde, champion de France, un quatrième au champion d'Europe, un autre quatrième au champion d'Europe. Il a un maillot arc-en-ciel, tapis au champion du monde, il a un maillot champion de France. Clément Rousseau nous a rejoint. Voilà mon cher Clément, bien remis de samedi. Bien sûr, je vais dire comme un Clément, quatrième place, c'est pas la meilleure, mais quand même un beau championnat d'Europe. Oui, c'est sûr, c'est mieux que cinquième. Et je te coupe, pardon, mais j'ai cru comprendre, j'ai dit je m'en branque à moi pour cette quatrième place. Pourquoi? Parce que j'ai tout donné, donc après c'est toujours frustrant d'être quatrième, mais bon, il manquait un petit plus, j'ai un jour encore un peu meilleur, mais bon, j'ai fait 4, j'ai fait 4, il y en aura d'autres, j'espère, beaucoup du monde, pourquoi pas un championnat du monde, donc voilà, on se prépare, c'est pas fini. Et il y aura Manuel Narvini, Clément Rousseau, évidemment qu'on salue, champion de France Espoir, on va demander évidemment à si Francis Bourret, voilà, quatrième au championnat d'Europe, pour le passionné, ce garçon, il a pris au championnat du monde, évidemment de Cidoros. Est-ce que du coup, forcément, on ne pouvait pas être ici pour que Franche-Comté, que dire, il a tous les maillots, il a brillé au championnat du monde, bien évidemment, il trosse les maillots, les victoires en Coupe de France, on ne parle pas de présenter plus que ça, monsieur Francis Bourret, fortuné au final corsette, 4 fois vainqueur à Dijon, mon cher Francis, au même fois, une fois de plus, pourquoi pas 4 fois, record 20 pour l'instant de victoire, comment va Francis? On est bon, la saison se passe pas trop mal pour l'instant. Je suis très heureux d'être parmi vous au Cyclone de Dijon. Voilà, victoire de la Coupe de France, vainqueur à Gérant, champion d'Europe, c'était presque une course sur route là-bas. Bien sûr que c'était une course sur route à peu près, avec beaucoup de sens tactique. Après, on était là pour essayer de ramener une médaille pour l'équipe de France avec n'importe quel coureur. On a tout essayé, mais on n'a pas réussi, mais on n'a pas à rougir dans notre résultat. C'est parti pour une belle année avec Fortuno Pierre-Corset. Mesdames et messieurs, Francis Bourret, champion de France une nouvelle fois. Il a remporté évidemment pratiquement 30 victoires en Coupe de France pour Francis. Il a terminé troisième de la championne du monde. Francis Bourret, on peut l'appeler le champion de France. Zénith qui est avec nous et bien évidemment, il y a un champ Fabien Canal. Je mérite des applaudissements. Clément Venturini de la Cofidis
avec Joshua Dubot, avec Lucas Dubot, Clément, Rouge, et Francis Mouret. Voilà, là, c'est Quintin Royal. Quintin Royal est clavé. Lui, grand espoir, Quentin Navarro, Belfort de Toussy, fait partie avec Fabien Canal, avec Yann Benudaire le Belge et Melvin Rouillère, qui fut 5e et 6e du championnat de France, le cycle France 6e à Gervans. Et on retrouve également au passage sur la ligne avec ici donc Antonin Didier, France Pim, le passage également d'Alexandre Billon et le groupe avec notamment aussi Yann Benudaire. On a vu également le passage de Daniel Michel. Nous avons la poursuite de l'intérieur, les 50 mètres. Comme le vide va faire un temps change, c'était il y a un peu plus d'une semaine pour celui qui revient à la compétition vainqueur d'étape au site de Chinois, au sprint. Bon, on rappelle évidemment que Mébine a cette fois de vitesse. C'était en presse de l'arrière, il s'imposera cette année sur une belle étape du circuit de Saône-et-Loire. Redoutable de sprinter, le garçon donc fait des félicitations évidemment du sous-vision de son président. Clément Roncurini avec Clément Rousseau, Josiane Dubot, Lucas Dubot, Francis Mouret pour les écarts. Bien évidemment, on fait un écart de temps avec la poursuite immédiate. Du côté du groupe de poursuite avec Quentin Navarro est là dans cette formation. On retrouve la poursuite immédiate avec Fabien Canal et donc la position de Damien Mouchel, Quentin Navarro et Fabien Canal. Melvin Rivière est là également pour le club de Rouen 76, le vainqueur des Grandes Franches cette année, 5e au championnat de France de Cyrose par le passé et qui a brillé en Coupe de France. Voilà pour la poursuite. Donc, Damien Mouchel, le club d'Eglichane. Et donc, Melvin Ruyère vient de passer à 38 secondes. Et Quentin Navarro, donc, qui a disparu probablement du mécanique. On aperçoit, voilà, Quentin Navarro sur le circuit. Alors qu'on en a vidé, voilà, passe avec 49 secondes. Clément Roncurini. Joshua, 15e des championnats d'Europe, mais on sait surtout qu'il fait notamment avec Lucas Dubot, les fils de Ludovic Dubot, parmi les grands talents de demain du site de Roisse français. Et pour l'instant donc, vainqueur cette année à Saint-Jean-le-Vieux, vainqueur également de la Coupe de France à Gervans, la manche, 14e, et à gagné au Valkenburg de la manche de Coupe du Monde Espoir, 4e également des Champions d'Europe samedi, du côté, je rappelle, de Pont-Chapeau dans l'Atlantique, la partie de jour. Du Bombay Shop, le capitaine français ici même, donc de Chute Forest, qui termine cette année le championnat de l'Europe, c'est le capitaine pour la Le duo de tête avec Clément Roncurini, Cofidis, la solution crédit. Et donc pour la Provence Champ Saint-Etienne, le champion de France Espoir, en l'occurrence Clément Rousseau. Ah, le départ évidemment pour certains d'en vous suivre, les ténors. Et... Clément Roncurini, Clément Rousseau, particularité, ils ont connu les champions de France, tous les deux catégories espoir. Certes, Clément Roncurini a été champion du monde junior à Saint-Mandel. On sait que donc, Clément Rousseau avait été 5e. L'écart évidemment est important entre dorénavant le duo de tête et le duo de poursuite composé de Francis Mouret, Fortuno Vital Concept. Et donc ici, Lucas Dubot, voilà. Et on rappelle bien évidemment ce trombo Léon
Clément Venturini, Cofidis, la solution crédit, alors qu'on va retrouver, attention, il y a des coureurs qui arrivent, et qu'on va saluer avec, notamment donc, avec, voilà ici, Melvin Rouillère, pour le Vélo-Club de Rouen 76, en compagnie duquel David Paquet, et surtout Antonin Didier qui passe à son tour. Il reste deux tours à cause de tête ici, donc le passage des jours par an. Voilà, donc du côté. Avec pour l'instant, donc la tête du coup, 23 secondes. Les deux champions qui passent la ligne maintenant pour ce passage à deux tours de l'arrivée. Pour Clément Rousseau, catégorie soit moins de 23 ans. Alors qu'on va retrouver maintenant Lucas Dubeau à deux tours de l'arrivée. Vos applaudissements à 25 secondes. Francis Louvet, le champion de France, Lucas Dubeau. Septième position pour Josia Dubeau. On rappelle donc que pour l'instant, toujours le duo Clément Venturini. 3 fois vainqueur et donc Clément Rousseau, dont on rappelle également que ce garçon avait été excellent sur la route, Clément Rousseau, notamment sur le Tour de Gironde international de Clément Venturini. Saluons le champion français espoir, 4e championnat d'Europe, Clément Rousseau, Pro-Bike Shop Saint-Etienne, partenaire de cette formation de DL1. Derrière, nous avons donc, je rappelle bien évidemment que maintenant, dernier tour pour tous les coureurs, et je voudrais qu'on les applaudisse, quel que soit le classement, pour les applaudir, le dernier tour pour ces coureurs. Derrière, nous attendons évidemment le champion de France, 4 fois vainqueur, il était 3e, 4e, 5e et 6e des championnats du monde. Et on va saluer Melvin Rouillère, l'homme du cru, Vélo-Club. Il a terminé 5e, évidemment, d'un championnat de France. Lui aussi fait partie des espoirs contre Navarro, Vélo-Club de Toussy. Ah, je peux vous dire que depuis le début de saison, alors qu'il portait le maillot de Paul Lédane, il était formé. Merci à tous les bénévoles, merci à Luna, sa sécurité, merci à nos amis là-bas du nettoyage du côté d'Élise, et merci à tous celles et tous ceux qui ont pris part à l'organisation et à vous le public. Merci au bien public de Dépêche, à Dijon Sport, merci à France Télévisions. N'oubliez pas ce soir les images avec François Bourin, Franche-Comté, du groupe France Télévisions, avec notre ami Chi de Grand-Montaire, alors que tout le monde est tourné évidemment là-bas vers le virage pour voir l'homme au maillot de la Cofidis, la seule sans crédit, aller chercher une 4e victoire, 2 fois bi-champion de France. Élite, champion de France espoir, il était champion du monde en junior et il va aller chercher probablement la victoire ici. Allez, dernier tour, salut les coureurs qui passent, s'il vous plaît, merci. Dernier tour, et maintenant il peut saluer sa 4e victoire, 4e champion d'Europe, il était champion du monde, champion de France, 2 fois bi-champion de France. Clément Venturini, Cofidis vainqueur 2016. Ici, Clément Venturini qui signe sa 4e victoire. Et nous saluons le champion de France espoir, 4e au championnat d'Europe, Clément Rousseau. 2e place de Clément, les deux Clément qui s'apprécient. On va les retrouver sur le podium dans un court instant à nos côtés. Et pour la 3e marche du podium, est-ce le maillot de champion de France, est-ce Lucas Dubeau? Pour la 3e marche du podium, en tous les cas, ça va être le final maintenant, avec maintenant l'arrivée sous vos applaudissements, avec l'arrivée 3e place, et bien il était à chercher avec Lucas Dubeau, 3e sur le podium, et comment ne pas saluer, eh bien monsieur cyclocross français, avec Francis Mouret, 4e, Francis tu reviendras au podium. Francis, tu seras attendu au podium, le champion de France en vélo Vital Concept. Et maintenant, nous allons évidemment aller chercher les places d'honneur avec les cours qui terminent. On les applaudit, les 3 premiers plus Francis Fourré sur le podium. Et derrière, eh bien, le sprint pour la 5e place avec voilà, Fabien Cana, l'armée de terre, en compagnie de Damien Rougel qui franchit la ligne pour le vélo sprint d'Eggisheim pour les places d'honneur. Nous attendions Josia Dubeau, Melvin Rouillère, entre autres, pour le final. Mais on va retrouver le podium avec le podium junior également, qu'on n'oubliera pas, évidemment, de faire dans un instant. Oh.
Allez, on salue évidemment celui qui a envie. Voilà, je vais demander évidemment aux trois premiers jours de rejoindre les podiums. Donc à savoir, je rappelle, Lucas Meunier, on demandera Valentin Remonté à Derek Portland et on demandera également à Mélanie Guérin, première féminine, de rejoindre le podium. Alors on va demander donc à Lucas Dubot qui prend en troisième place de nous rejoindre. Le club d'or dans la première féminine, dans l'épreuve junior et féminine, vos applaudissements pour Mélanie Guérin. Hervé, Crédit Mutuel, voilà, et Hervé Sylvain, le Crédit Mutuel. Et mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, l'ovation pour Mélanie Guérin, première féminine. Voilà Mélanie, et merci Mélanie, vous restez avec nous, on va vous garder dans le quartier des coureurs. Maintenant, protocole donc des juniors, à la troisième place, donc pour les juniors, nous accueillons le sociétaire du Chambéry Cycliste Compétition, Pierrick Dortland va nous rejoindre. Ah, il a prié du côté de Saint-Alban, d'Aix-les-Bains, de Chavanoz. On retiendra également qu'il a oublié au championnat Rhône-Alpes. Il est troisième Chambéry Cycliste Compétition. Applaudissements pour Pierrick Dortland, mesdames, messieurs. À la troisième marche du podium, on salue évidemment toutes les personnalités présentes avec le CR Nissima, le Crédit Mutuel, Régis Bouchet, Rando, M. Denis Labat, conseiller régional. Nous saluons M. Lyon Crochet, vice-président du conseil départemental, président des maires de Côte d'Or, M. Jean-Henri Rousse, OMS, M. Jean-Yves Pion également, conseiller délégué au sport. Et maintenant, à la deuxième marche du podium, nous accueillons le Dijonais de la SPTT, Valentin Remonté nous rejoint. Il a été champion de Bourgogne, on rappelle dans les catégories cadets, il a pris à Toulouse, le Château, à Fontaine et Dijon, il s'est imposé cette année. Eh bien c'est monsieur le conseiller régional, monsieur Denis Navarre, qui le met, et applaudissements, deuxième, nous saluons Valentin Remonté, SPTT Dijon. Voilà, on demande à Francis Fouré, venu au podium. Francis, vous êtes attendu au podium. Et maintenant, lauréat du cyclocross d'ici de Dijon, junior, un garçon qui a été champion de France cadet du scratch, qui a été troisième au championnat de France cet été, également du scratch, dans les rangs donc junior. Il a brillé également au championnat de France de course au point. Il avait remporté la nocturne de Péronas, il vient de remporter Aix-les-Bains. Nous accueillons Lucas Meunier pour la formation d'Evian Vélo, le vainqueur 2016, Lucas Meunier. Et tour à tour, évidemment, alors que Francis Fouet, il est là, il vient rejoindre. Donc Francis, attendu. Et maintenant, avec, on va demander à Mélanie Guérin de s'avancer pour la photo finale, évidemment, du podium des juniors et féminines. Et nous saluons Mélanie Guérin, vainqueur en féminine. Nous saluons Lucas Meunier, Valentin Remonté, Pierrick Dortland. Je crois qu'ils sont unis dans les mêmes applaudissements que vous leur réservez, mesdames et messieurs, à cet instant. Un plus fort encore, Dijon 2016, junior et féminine. De Thierry Sandoz, à l'Est républicain, je salue, merci. Et maintenant, eh bien, place évidemment au podium élite. Pour débuter ce protocole, nous allons donc accueillir du côté donc, du premier du club, en l'occurrence, et il a brillé encore aujourd'hui, nous allons accueillir Benjamin Pasquale, va nous rejoindre sous vos applaudissements pour le saut Dijon à Benjamin qui réalise une sexante déception, vainqueur notamment assise, vainqueur à Chalon-sur-Saône, deuxième samedi en Haute-Marne, il fut deuxième à Fontaine, lui qui était vice-champion de Bourgogne-sur-Route, troisième du championnat Bourgogne du Côte-à-Monde, qui a brillé au championnat de Bourgogne de Cyclocross. Mesdames, messieurs, Benjamin Pasquale du Sprinter Club Olympique de Dijon, matériel vélo.com, Crédit Mutuel de Reims.
mesdames, mesdemoiselles, messieurs, podium protocolaire final pour le Cyclo-cross international de la ville de Dijon. Et nous allons accueillir celui qui prend la troisième marche du podium aujourd'hui. Le papa fut un champion de 700, je peux vous le dire. Le papa a été 20 fois champion du monde de Cyclo-cross dans les Rhum Master. Il a brillé au champ national. Il avait brillé au champ de France. Je salue Ludovic. Mais maintenant, il a passé le flambeau aux deux jumeaux. Pas facile de le reconnaître, hein, honnêtement. Mais c'est donc Lucas que nous allons accueillir. Lucas Dubois, il est troisième aujourd'hui. Nous allons l'accueillir. Lui qui a été 8e au championnat d'Europe samedi, 8e au championnat d'Europe espoir, vainqueur à Carvetin, vainqueur à Berlin cette année. Il fut également 8e de la manche de Coupe du Monde. C'était au Valkenburg il y a 3 semaines de cela. L'ovation 3e, Lucas Dubois, Team Peltrax. Donc ça mérite pour la famille Dubois dans son ensemble un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Lucas Dubois. Il a été 7e des championnats d'Europe, 5e des championnats d'Europe, 4e samedi sur le circuit de Pontchâteau au championnat d'Europe catégorie espoir. Il a remporté le titre de champion de France espoir. C'était donc le 9 janvier dernier sur le circuit de la Vacombe à Besançon. Il est 2e aujourd'hui, 4e samedi au championnat d'Europe, champion de France espoir en titre. Comment ne pas accueillir celui qui fut 5e d'un championnat du monde également. Nous accueillons monsieur Clément Russo, 5e du championnat du monde, 4e au championnat d'Europe, champion de France, Clément Russo. Robin Shop, Saint-Étienne-Loire, avec Périne, notre hôtesse, qui fleurit évidemment. Ah, je crois que ça mérite beaucoup plus. Il a été dans le top 5 d'un championnat du monde. 4e samedi au championnat d'Europe. Nous saluons le champion de France, Clément Russo. Et maintenant, que dire de celui-ci? Vous l'avez connu tout petit, frêle. Il avait été cherché un titre maillot arc-en-ciel sur le circuit allemand de Saint-Wenzel, où nous avions un triplé français avec Fabien et Loïc Doubé. Et il a été évidemment brillant au championnat d'Europe. Il a brillé au championnat de France espoir. Il fut champion de France espoir. Vainqueur sur les routes du Rhône Alpes du Tour d'Autriche. Il a brillé à Châteaulin. Il a été champion de France à l'élite, 2 fois double champion de France élite. 4e samedi au championnat d'Europe, 11e champion du monde, il signe sa 4e victoire à Dijon, il est qu'un Francis Bourret pour la Cofidis, la solution crédit, vainqueur, 4e fois, monsieur Clément Venturini. Clément Venturini sur le podium. Oh quel podium! Oh quel podium exceptionnel, Clément Venturini, Clément Russo, Lucas Dubois. Allez plus fort, ils sont salués par l'ensemble des élus, avec Régis Boussèche, notre partenaire Publidis, qui remettra le pagnon au lauréat évidemment dans un instant, mon cher Régis. Saluons évidemment avec vous la société publicistique partenaire. Voilà Régis Boussèche qui remet, tu peux saluer Régis Boussèche, le partenaire, et qui dépose ce podium. Ah si Francis est plus d'urgence, ça serait sympa d'aurait aimé l'avoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le podium que nous allons retenir de cette version 2016, un podium somptueux, ça représente évidemment l'avenir du cyclocross français. Titre de champion du monde, à 4e deux fois, 2e du championnat d'Europe samedi, et Lucas Dubois qui marche sur leur trace avec Joshua. Je crois qu'on peut encore réserver une ovation d'exception à Clément Venturini, Solution Crédit, Clément Russo et Lucas Dubois, Benjamin Pascal. Avec des mérites pour Benjamin, déjà bien beau vainqueur, plus fort encore. Je crois que ça mérite beaucoup plus. 4e victoire de Clément Venturini. Avec Périne, je vais faire tout petit, mais on va tendre le micro, évidemment, Clément, ça y est. 4e victoire, allez voir les 4e victoire, 4e championnat d'Europe, 2 fois champion de France. Ça y est, on oublie ses ennuis de santé. Vous restez avec moi, Lucas, tu restes avec Clément aussi. Oui, comme je disais avant le départ, je pense que c'est derrière moi et il faut plutôt penser positif que négatif. Bon, voilà, aujourd'hui, les sensations n'étaient pas trop mauvaises.
malgré quand même la grosse course de dimanche, mais bon, on était tous présents dans le championnat d'Europe, donc c'était un plus, il n'y avait pas de course. Attends, il y avait un jour de repos en plus, hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, ils ont quand même beaucoup donné samedi, donc voilà, tout le monde était un peu usé. Et non, tu vois, une belle course à Dijon, du monde, ça fait plaisir. Du monde, on rappelle, il y a 3 ans, vous avez été chercher la victoire 2 fois, et bien, c'est le triplo de suite. Clément Venturini, je crois que ça mérite encore une ovation. Clément, je présente évidemment tous les groupes, Clément, sympathique. On rappelle 7e, 4e champion d'Europe, 5e champion d'Europe, 7e champion d'Europe, 4e champion du monde, champion de France. Quelle belle année, et premier, ce garçon. Ouais, mais c'est sûr, on va essayer d'aller chercher les premières places. C'est souvent 4, 2, mais beaucoup vainqueurs, j'espère que ça va venir. Et vainqueur du côté de Louvain, on rappelle, moi je t'avais quitté sur une 1000ème chute, hein, autour de Gironde, tu te rappelles, t'étais bien mâché, hein, autour de Gironde. Je crois qu'on peut saluer le champion français ce soir, Clément Russo pour la ProBike Shop. Merci Clément. Et je vais passer du côté, voilà, moi j'arrive, on vous demande que 4 et 5, on les confond, hein, avec Josia, mon cher Lucas, qu'est-ce qu'il a comme conseil de papa Ludovic? Ah ouais, maintenant on arrive à le battre, donc du coup... C'est vrai, il a pas aimé, quand même, c'est un combattant. Non, hein. Oh, si, bah heureusement que le boss, sinon on serait pas très bon, mais... Puis c'est lui qui vous le dire. Ouais, bah voilà, donc ouais, non, je pense qu'il est très content de comment on a progressé. Après, voilà, moi j'essaie de toujours faire de mieux en mieux pour lui faire plaisir et puis pour lui pour l'arlette, quoi. Donc ouais, donc, je suis content de faire faire ici. Et c'est pas facile de porter le nom du beau aussi que Ross, mais vous êtes en train de le porter au plus haut niveau, je vous jure. Ouais, c'est sûr, bah, vu par le nas qu'il a, c'est difficile de faire mieux, donc, mais on essaie de faire autant que lui, voire mieux. Vous êtes bien parti au TK, quand on peut saluer la famille du beau dans son ensemble. Lucas Dubois, merci Lucas, c'est un plaisir évidemment de t'accompagner. On va saluer à vous évidemment, salut la ville de Dijon, le conseil régional, le conseil départemental, l'office municipal des sports. Je voudrais tous vous saluer parce que s'il y a cette réussite, c'est grâce également à toute cette collectivité qui sert le sport en général. Merci à vous, merci à tous les bénévoles présents une nouvelle fois ici, le Twitter Club Olympique de Dijon, l'UNAS. Merci à toi mon cher Régis, c'est toi un bonheur de te saluer avec ta société, le rider que tu es, parce que je sais que tu es sorti de haut niveau également. Ouais, bah, je remercie le Club Dijon pour la confiance qu'il nous apporte. Moi je suis très cool. Hein? Moi je suis très cool. Et il arrive.